Ronaldinho et échoue de presque rien. Car pour le reste, les Parisiens n'ont pas attaqué et à l'exception peut-être de cette action, un centre en retrait de Benachour pour Laurent Leroy, le PSG n'a pas vraiment révélé son génie offensif. Il faut dire que son adversaire ne l'y a pas poussé non plus. Les joueurs du National Bucarest n'ont jamais été très inquiétants, si ce n'est ici à 3 minutes de la mi-temps, il y est par seul. Et sans Cristobal, les Parisiens auraient rejoint les vestiaires avec un sourire sans doute beaucoup plus crispé que celui-ci. Une mise au point et 20 minutes plus tard, Luis Fernandez est toujours aussi tendu, mais à tort, car le travail entrepris devient cette fois plus concluant. Et c'est Laurent Leroy qui soulage le PSG, même scénario qu'en première période et même protagoniste. Une passe de la serre pour Benachour qui contrôle et centre en retrait pour Leroy, buteur au match retour comme à l'aller. 1-0 pour Paris, le score en reste là, mais c'est suffisant. Vainqueur 2-0 sur le terrain de Bucarest, le PSG est donc qualifié pour le troisième tour de la Coupe UEFA. Luis Fernandez pour une 211e rencontre sur le banc du PSG. L'entraîneur parisien égale ce soir face au National Bucarest le record détenu par Georges Péroche pour ce deuxième tour retour de la Coupe de l'UEFA au Parc des Princes. Paris attaque tambour battant avec l'avantage d'un succès 2-0 en Roumanie au match aller. Les occasions se succèdent mais la défense de Bucarest tient le choc. 0-0 le score à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain va faire la différence à la 57e minute. Benachour élimine un défenseur roumain et passe pour Laurent Leroy 1-0. Les Parisiens vont ensuite gérer leur fin de match. Benachour très actif aurait même pu doubler la marque en fin de rencontre. 1-0 donc score final. Qualification tranquille du Paris Saint-Germain pour le troisième tour de la Coupe de l'UEFA.